tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur une box opening. Alors désolée si vous entendez des bruits, il y a Lenny qui s'amuse, il y a des avions autour, donc je suis désolée du bruit. Alors je vais d'abord ouvrir juste mon carton. Donc on a le premier bébé. Oh, j'adore les certificats comme ça. Alors c'est le premier, c'est un Real Born, donc c'est le Real Born Clyde Asleep. Donc de Bountiful Baby, donc c'est Denise Pratt au cas où, hein. Mais ça provient de Bountiful Baby. Donc voilà, c'est le petit certificat tout simplement. Ensuite on a le petit mot de Solange qui est merci, bonjour Séverine, voici votre commande que vous, je vous souhaite une bonne réception, cordialement Solange, ce qu'elle met toujours à ses clientes je pense. Là on a le Real Board Clyde. Donc on a les membres, donc on va voir les membres. Donc je vais essayer de vous caler la caméra un petit peu plus de face pour que vous puissiez mieux voir en fait. Alors j'ai essayé de mettre la caméra un petit peu plus de face pour que... Voilà, donc si ça bouge, ne vous étonnez pas, c'est parce que j'essaie de faire mon mieux. Hein. Alors le petit premier pied... Oh, mais je kiffe! Oh mais je kiffe les pieds. Je vous ferai de toute façon les photos hein, comme d'hab. Oh j'adore les pieds. Trop beau. Oh trop mignon les petits pieds. La petite cuisse en plus, il est tout petit hein, si jamais. Donc le premier pied. Ensuite le deuxième pied, je pense que c'est un peu pareil. Ouais, il est un peu identique en fait. Et ouais, pratiquement identique en fait. Donc voilà. Oh, ces petits bâtons, j'adore. Oh, c'est trop mignon. Regardez, ils sont pratiquement identiques, les deux petits pieds. Donc voilà. Ensuite, on a les mains. Waouh. Oh, je kiffe peindre sur ce genre de mains parce qu'en fait, les ongles sont tellement réalistes. Et quand c'est ouvert comme ça, on peut après lui mettre un petit doudou. Ou bien vous pouvez faire une mise en scène avec les mains comme ça. Et les doigts sont vraiment super beaux quoi. Des petites mains, je kiffe trop. Je crois que je vais craquer, il est trop beau. J'adore tous les petits plis et tout, c'est vraiment réaliste. Ensuite, deuxième main. Oui, parce que bébé a deux mains, il n'en a pas qu'une. Elle est aussi ouverte. Oh, je kiffe. En plus, c'est très rare que j'ai fait des mains ouvertes comme ça. Mais là, franchement, elles sont super réalistes, hein. Avec les petits plis et tout. Oh non, j'adore ces mains. En plus, les ongles et tout, j'adore. J'adore. Je vais pouvoir lui faire la French parce qu'il a les bouts des ongles qui dépassent. C'est trop beau. Ah non, mais il est trop beau. Et ensuite, on va découvrir la tête, bien évidemment. Hein. Pas l'oublier, cette petite tête. Elle est ici. Donc, la petite tête. Oh, mais il est trop chou. On va pouvoir lui percer les narines en plus. Oh, il est trop beau. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Hein. C'est un peu de luminosité qui reflète trop et puis que ça fait un contre-jour en fait. De toute façon, vous verrez les photos. Mais il est juste trop beau. Et il a les narines assez larges pour les percer. Donc ça, c'est parfait. Ça va être encore plus réaliste. Mais il est pas si petit que je m'attendais. Je pensais qu'il était beaucoup plus petit. Mais en fait, non. Mais il est juste trop beau. Et il a la petite fontanelle ici. Il a des petits os de crâne. Mais il est juste magnifique. Ah, j'adore le kit, franchement. Oh, je kiffe. Il est vraiment trop chou. Ah, vraiment, vachement bien fait, quoi. Bon, c'est pas... C'est scan 3D, mais je veux dire, c'est quand même bien fait, quoi. Je veux dire que ça sort d'une photo... Donc voilà, maintenant on va passer aux deux autres kits. Oui, parce que j'ai deux autres kits, mais ça va être des jumeaux. Donc je vais vous montrer tout de suite les deux autres kits. Rock-a-bye baby on the treetop. The wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall.
Donc, j'essaye de pas trop bouger. Voilà, c'est le même kit. Les deux bébés viennent du même kit. C'est juste que je veux faire des jumeaux, enfin des faux jumeaux en fait. J'ai des envies de faire des jumeaux en ce moment, je sais pas pourquoi. Alors, oh là là. Alors, on va découvrir d'abord les petites jambes. Donc, je vous montre que deux jambes et deux bras parce que vous voyez très bien ce que c'est vu que c'est les mêmes. Oh, trop beau les petits pieds. Oh, je kiffe les pieds. Bon, c'est des plus grands bébés que Clyde, hein. Oh, ils sont bien détaillés. Moi, j'aime bien quand les pieds et les mains sont détaillés. Oh, c'est trop beau le petit pied. Oh, je kiffe. Donc, on a un petit pied. On a un autre. Donc, c'est les mêmes, hein. Je répète, hein. Un autre petit pied. Oh, je kiffe trop. Il y a un peu le contre-jour, mais voilà. De toute façon, je vous fais les photos, hein. Oh, les petits pieds. Ensuite, on a les petites mimines. Oh my god. Oh, elle est trop belle. Oh, les petites mains, elles sont juste trop choues, franchement. Elles sont quand même bien détaillées, hein. C'est pas des Real Born, mais elles sont vachement bien détaillées quand même, hein. Moi, j'aime bien les mains et les pieds détaillés, parce que si c'est pas des mains et des pieds détaillés... Alors, ça, c'est le même bras. Je cherche le deuxième bras. Ah, voilà. Pas que je me gourre. Ah non, c'est le même. Alors, c'était bien celui-là. Oh. Alors, celle-ci, elle est, on dirait qu'elle est un petit peu plus grosse que l'autre, mais elle est aussi ouverte. Hein, mais... Oh, je kiffe les mains, les doigts. Oh, je kiffe trop, c'est trop beau. J'adore les bébés avec les mains ouvertes parce que... Ouais, ça fait réaliste aussi. Puis elles ont des petits plis. C'est juste trop mignon. Bon, maintenant, on va passer à la tête. Elle aussi, on pourra percer les narines. Oh my god. Elle est trop chou. Oh, trop mignon, la bébé. Ah, franchement, le kit, j'adore. Et Elisa Marx, elle fait vraiment des trucs, mais laissez tomber, mais magnifique, quoi. Franchement, elle fait des sculptes, mais laissez tomber. C'est... On voit toujours que ça vient d'elle, parce qu'ils ont toujours les mêmes traits, et ça se voit que c'est elle, mais ils sont toujours magnifiques. Franchement, c'est... Ah, mais il est trop beau. Franchement, le kit... En plus, comme vous voyez, les narines sont assez larges, on peut le percer. Donc ça, j'aime bien, parce que ça fait plus réaliste. Mais trop beau. Donc je vais vous faire les photos des, bah, bien sûr les deux ensemble, hein, bien évidemment. Comme ça vous voyez, donc les deux bébés là, ce sera des faux jumeaux. Donc il y aura une fille, un garçon, qui peuvent être vendus ensemble ou séparément. Donc voilà, si ça peut vous intéresser au cas où. Et sinon Clyde, bah voilà, il sera tout seul, le pauvre petit. Et ce sera un garçon, Clyde, je le ferai en garçon et pas en fille. Après bah voilà. Vous pouvez retrouver ces bébés en photo sur ma page Facebook. Pour celles qui n'ont pas, je mets en fin de vidéo les photos de toute façon. Sinon, moi, j'espère que ce petit box opening vous aura plu. Moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!